Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Eh bien, figurez-vous qu'il y a tout juste 25 ans, c'était l'ouverture du parc Euro Disney à Marne-la-Vallée. Un anniversaire que m'a semblé amusant de commémorer en vous proposant des œuvres musicales en lien avec les grands classiques d'animation de Walt Disney. On va commencer par le film d'animation le plus musical, évidemment, de la filmographie des studios Disney. Il s'agit de Fantasia, qui est sorti en 1940. Fantasia, un film dans lequel on entend la musique de Paul Dukas, bien sûr, de Moussorgsky, de Tchaïkovski, de Ponchielli et aussi de Bach, etc. et de Beethoven. De Beethoven, dont voici la symphonie pastorale, le final, qu'on entend d'ailleurs dans Fantasia. Donc le final, cinquième mouvement de la symphonie numéro 6 de Beethoven, dite pastorale, par l'orchestre philharmonique de Berlin que dirige Herbert von Karajan. Thank you.
C'était le final de la 6e symphonie de Beethoven. Le livre de la jungle, avant d'être le fameux dessin animé de Disney, ça a été bien entendu un livre de Rudyard Kipling, et ça a été également une œuvre musicale, très précisément un ensemble de 3 poèmes chantés et 4 poèmes symphoniques de Charles Koechlin. Charles Koechlin, qui est un compositeur français, né à Paris en 1867, il est mort en 1950, et je vous propose d'entendre un extrait de du premier des 4 poèmes symphoniques qu'il a composé autour du thème du livre de la jungle. Le premier de ces poèmes symphoniques s'appelle La course du printemps, et la deuxième partie de ce poème symphonique s'appelle Mowgli. Donc voici Mowgli, tiré du livre de la jungle de Charles Koechlin par l'orchestre symphonique de la radio de Berlin, placé sous la direction de David Zinman. Nous venons d'entendre Mowgli tiré du livre de la jungle de Koechlin. On continue avec La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, c'est un dessin animé de Walt Disney sorti en 1959 qui n'a pas rencontré un très très grand succès d'ailleurs à sa sortie. Et la musique qui est utilisée dans ce film, évidemment, c'est la musique de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski. En voici la valse, le passage le plus connu par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, placé cette fois sous la direction de Mstislav Rostropovitch. We'll be right back.
Vous êtes toujours sur RVL, sur 103.9, et nous poursuivons cette émission toute particulière consacrée au 25e anniversaire de l'ouverture du parc Euro Disney à Marne-la-Vallée, après La Belle au bois dormant de Tchaïkovski. Je voulais vous parler de Hercule. Hercule est un dessin animé sorti dans des studios Disney en 1997, mais bien longtemps avant, peut-être 250 ans avant, il avait inspiré un oratorio à Georg Friedrich Händel, ce brave Hercule. Voici donc l'ouverture de l'oratorio Hercule de Händel par les musiciens du Louvre que dirige Marc Minkowski. Thank you.
c'était l'ouverture du Hercule de Handel. Et si nous parlions un peu de Merlin l'Enchanteur? Merlin l'Enchanteur, c'est un dessin animé de Disney de 1963, mais c'est aussi un personnage du roi Artus de Ernest Chausson. Voici donc l'air de Merlin tiré du deuxième acte du roi Artus de Ernest Chausson. C'était un extrait du Roi Artus d'Ernest Chausson. Je vous ai parlé tout à l'heure de Fantasia, le film d'animation de Disney paru en 1940, sorti sur les écrans, pardon, en 1940. Et en 2000, les studios Disney ont souhaité faire une nouvelle mouture de Fantasia, un nouveau Fantasia qu'ils ont appelé tout simplement Fantasia 2000, dans lequel on trouve, sur le même principe que le Fantasia de 1940, des œuvres classiques mises en images avec tout le talent des studios Disney. Voici l'une
des œuvres utilisées, c'est les marches 1 à 4 de Edward Elgar, tirées des Pompes et Circonstances. Alors, il s'agit d'une sorte de pot pourri. Les quatre marches sont raccourcies et sont enchaînées les unes aux autres. Voici donc la version originale du film, la bande originale du film Fantasia 2000, Pompes et Circonstances, marches 1 à 4 de Elgar, par l'Orchestre Symphonique de Chicago, placé sous la direction de James Levine. Thank you.
C'était les pompes et circonstances de Edward Elgar. Nous poursuivons cette émission consacrée au 25e anniversaire de Euro Disney, où on évoque donc les classiques d'animation de Disney. Vous n'avez peut-être pas manqué de remarquer que les studios de Disney ressortent un film, cette fois qui n'est pas un film d'animation, qui s'appelle La Belle et la Bête. Et il y a un peu plus de 25 ans, en 1991, était sorti La Belle et la Bête, le fameux film d'animation, et qui reprend une histoire bien connue qu'on trouve dans les contes de Madame de Beaumont. Voici par contre la musique du film La Belle et la Bête de 1946, un film de Jean Cocteau. La musique est signée Georges Auric. Voici l'extrait qui s'appelle Le Souper, il est interprété par l'Orchestre Symphonique de Moscou. C'était Le Souper de La Belle et la Bête de Auric. Et on continue toujours avec La Belle et la Bête. D'ailleurs, voici les dialogues de La Belle et la Bête tirés de Ma mère loi de Maurice Ravel par l'Orchestre Philharmonique de New York que dirige Pierre Boulez. Thank you.
C'était un extrait de Ma mère loi, les dialogues de la Belle et la Bête de Maurice Ravel. Et nous poursuivons sur RVL cette émission consacrée aux grands classiques d'animation de Disney en évoquant le dessin animé Robin des Bois qui est sorti en 1973. Robin des Bois et sa fameuse petite copine Marianne, mais beaucoup de gens ne savent pas que le personnage de Marianne en réalité n'est pas un personnage historique. Autant Robin des Bois, on sait qu'il a existé réellement, qu'il était un brigand qui a opéré dans la région de Nottingham au XIIIe siècle, et Marianne, en réalité, n'a pas d'existence historique avérée. Et le personnage de Marianne, en réalité, il apparaît dans l'histoire de Robin des Bois suite à la composition d'une œuvre qui s'appelle Le jeu de Robin et Marion, qui a été composée par Adam de la Halle au XIIIe siècle, compositeur français. J'ajoute d'ailleurs que le personnage de Adam de la Halle apparaît dans Robin des Bois sous les traits d'un coq armé d'une guitare et qui chante les aventures de Robin des Bois. Alors voici un extrait du jeu de Robin et Marion. C'est une œuvre composée aux alentours de 1280 et elle est interprétée par le Orlando Consort. Après la musique médiévale de Adam de la Halle, tirée du jeu de Robin et Marion, je voulais faire un petit clin d'œil à un court-métrage des studios Disney, un court-métrage tiré de la série des Silly Symphonies, un court-métrage qui s'appelle Le Vieux Moulin. Et la musique qui est utilisée dans ce court-métrage, c'est une musique de Grieg, c'est La Marche des Trolls, c'est la pièce lyrique opus 54 de Grieg, La Marche des Trolls, que nous joue dès à présent Boris Berezovsky dans un enregistrement public datant de 2015. Thank you.
C'est la marche des trolls tirée des pièces lyriques de Grieg. En 1992, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'ouverture d'Euro Disney, du parc Euro Disney. C'était également la sortie du grand classique d'animation Disney, Aladdin. Aladdin, personnage des Mille et Une Nuits, qui a inspiré également des musiciens classiques comme Carl Nielsen, compositeur danois né en 1865 et mort en 1931. Voici donc la marche orientale tirée du Aladdin de Carl Nielsen.
marche orientale, tirée de la musique de scène Aladdin de Carl Nielsen. Et c'est la fin de cette émission que je vous propose d'achever avec l'ouverture de la Cenerentola de Rossini. Cenerentola, c'est ni plus ni moins que Cendrillon. Voici donc l'ouverture de la Cenerentola de Rossini par l'Orchestre Symphonique de Londres, placée sous la direction de Claudio Abbado. Je vous souhaite une agréable fin de week-end, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, 103.1, 18h dimanche prochain. À dimanche. Thank you.